Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarette et aujourd'hui je vais reprendre un tag qui commence un peu à reprendre. Je l'ai vu sur la chaîne d'Opaline et sur la chaîne de 4ème de couverture. C'est le fameux tag vos opinions impopulaires sur la lecture. Donc il y a plusieurs questions que j'ai notées, où j'ai trouvé des réponses. Et je vais vous dire quelles sont quels sont mes goûts ou mes dégoûts en matière de lecture qui ne sont pas forcément partagés. On commence avec la première question, un livre ou une série que tout le monde a l'air de ne pas aimer sauf vous. Alors je vais sans doute vous surprendre, parce que justement ça fait partie de ces bouquins que quand j'entends lire quel est le pire livre que vous ayez jamais lu dans votre vie, j'entends souvent Madame Bovary de Flaubert. Et moi j'adore Madame Bovary, j'aime énormément ce roman, je crois que je l'ai lu deux fois. La première fois que je l'ai lu, c'était il y a une dizaine d'années, c'était ma première année d'études après le bac. Je m'attendais justement à m'embêter. Justement, je me disais, mais ce livre est probablement très chiant. Tout le monde en dit du mal, il ne se passe rien. Mais bon, déjà, c'est beau. Flaubert écrit extrêmement bien. Il y a une musicalité dans la lecture. Il y a une façon d'écrire sur rien. Mais c'est tellement beau, c'est contemplatif. Mais surtout, mais qu'est-ce que c'est drôle! Mais ça m'a fait mourir de rire! C'est de l'humour très grinçant, évidemment, mais. Et c'est de l'humour cruel! Mais qu'est-ce que j'ai ri en lisant Madame Bovary! Alors évidemment, ça se finit extrêmement mal, je ne vais pas vous spoiler, mais je pense que beaucoup de gens savent comment se finit Madame Bovary. Mais il y a un traitement du personnage, une moquerie, c'est très, très grinçant. Mais moi, c'est exactement le genre de chose qui me fait vraiment rire. C'est le même humour que Maupassant, en fait. J'aime ce qui fait que j'ai beaucoup aimé Madame Bovary et que... alors, je n'ai pas lu d'autres livres de Flaubert, je crois. Si, j'ai lu Salammbô. Mais, j'aime chez Flaubert, en fait, la même chose que ce que j'aime chez Maupassant, c'est ce côté très grinçant, ce côté... cette cruauté qu'il y a dans la description des personnages, dans le traitement des personnages, dans l'histoire, on dit pas scénario pour les romans, j'ai oublié le terme schéma narratif, voilà, la narration. J'ai énormément aimé Madame Bovary. Alors je comprends que, bon, c'est un pavé, il se passe pas grand-chose, effectivement, et... Emma, moi je le trouve délicieusement insupportable, son mari est délicieusement stupide, j'aime cette cruauté qu'il y a envers les personnages, ils sont pas faits pour être aimés en fait, je trouve ça drôle, ça m'a amusée, j'ai passé un très bon moment à lire Madame Bovary. Alors voilà pour la première question. La deuxième question, donc un couple que vous n'aimez pas. Alors ça a été assez difficile pour moi de trouver parce que je m'y connais pas trop en romance et j'ai eu du mal à trouver, à penser à un couple littéraire. Et puis j'y ai pensé, ça m'est un peu venu parce que déjà il faut penser couple littéraire. Après il faut penser à un couple littéraire que vraiment je n'aime pas parce que il m'arrive parfois de ne pas aimer les personnages. Pour autant, ça ne veut pas dire que je considère que le couple ne fonctionne pas. Je peux considérer que le couple fonctionne très bien, même si les deux personnages sont assez insupportables, mais en général, c'est que je les trouve délicieusement insupportables, comme dans Autant n'importe le vent, par exemple, où je trouve que... j'adore ne pas supporter Scarlett et ne pas supporter Red Butler. J'adore ça. Et là, je me suis dit, non, il y a vraiment un couple où ça m'a gênée, où je me suis dit, mais je ne comprends pas. C'est dans La Passe Miroir. Je ne comprends pas pourquoi Ophélie, finalement,
Aime Thorn. Je comprends pas. Au début, elle a pas envie de se marier. C'est une femme forte, libre, indépendante. Elle veut pas d'enfants. Elle veut pas se marier. Au départ, c'est vraiment un mariage tout simplement arrangé où ils sont tous les deux d'accord pour que ce soit un mariage arrangé et pour que le mariage ne soit pas consommé. Et puis finalement, oh, je vous aime. Mais non. Mais non. Mais c'était bien. C'était bien, arrêtez. Non. C'est ça qui fait que, ben, malheureusement, j'ai eu du mal à accrocher à la passe miroir. C'est... J'avais cette héroïne que je trouvais vraiment bien. Voilà, vraiment un symbole de femme très forte qui arrive à s'affranchir de l'amour. C'est pas que je sois contre les histoires d'amour, bien au contraire. Mais je me dis, mais c'est bien, pour une fois, ça change. Et ben non. Et en plus, bon, je trouve pas que Thorn soit vraiment quelqu'un de très sympathique. Justement, ça fait un peu mal à mon féminisme de voir Aurélie finir avec, hein, Ophélie finir avec, non, désolée, ça passe pas, pour moi, ça ne va pas. Après, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont apprécié ce couple? Je ne sais pas, je crois que ça dépend vraiment des lecteurs, des lectrices. Ensuite, un genre littéraire que vous lisez peu. Bon, en soi, c'est pas évident à trouver parce que j'ai l'impression que je lis un peu de tout. Je lis peut-être un peu moins de romance. Tout ce qui est vraiment romance, voire roman érotique, c'est pas tout à fait mon style. J'aime bien qu'il y ait de la romance dans les œuvres que je lis, mais je n'apprécie pas tellement que ce soit vraiment le centre du roman. Ponctuellement, je peux lire des romances, mais pour moi, il faut qu'il y ait autre chose avec. Donc, par exemple, une romance dans un roman historique, ou de la romance dans un roman social, ou alors un roman, une romance, un roman d'amour qui a aussi une portée sociale ou historique, ou que sais-je, ou policière, ou fantasy, peu importe, mais de la romance seule, ben, ça me... bon, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui m'attire le plus en littérature. Là, vous allez me détester. Mais on a le droit d'aimer, de détester ce qu'on veut en littérature, c'est ça qui est beau. Avec les livres, c'est une bibliothécaire qui vous le dit. Un personnage aimé de tous que vous n'aimez pas. Alors, quand j'étais ado, mon médecin m'a dit tu devrais lire tel bouquin, cette héroïne te ressemble énormément, ça va beaucoup te plaire. Il parlait d'Antigone. Alors, j'adore le personnage d'Antigone, en fait, mais Antigone de Sophocle. Parce que je trouve qu'Antigone d'Amour est insupportable, mais j'ai envie de la gifler. C'est une sale gosse pourri gâtée. Ah, gna gna gna. Ah, oh, mais moi je veux dire non. Mais. Et je trouve que. En fait, j'aime bien Antigone, mais je trouve qu'elle est tellement mal écrite, paranoïde, mais vraiment, je peux pas la blairer. Alors, elle ou n'importe quelle autre. Hein, vraiment, je trouve que Anoui a bousillé Antigone. Elle était formidable sous la plume de Sophocle. Et sous celle d'Antigone, ben, j'ai l'impression qu'il y a juste une mollesse. J'aimais bien le nom revendicatif, vindicatif de l'Antigone de Sophocle. Alors que là, c'est pas « Non !» C'est « Oh, non !» Ça fait que... Ça fait un peu ado relou. Hein. Je préfère l'ado vindicative que l'ado molle. Bon, c'est mon point de vue. Cette mollesse prodigieuse, j'ai l'impression, elle est insipide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je trouve que Antigone d'Anoï est insipide. Ce qui fait que. J'ai essayé de lire d'autres pièces de livres,
je crois que c'est l'auteur, hein, je ne sais pas. Donc, ne me détestez pas, s'il vous plaît. Alors, un auteur populaire que vous avez du mal à lire. Alors, j'en ai deux. Alors, il y en a un. Je vais commencer par le pire. Parce que celui-là, je pense qu'il sera facile à détester. Houellebecq, vraiment, Houellebecq, c'est imbuvable. J'ai essayé d'en lire un, je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai lu Soumission jusqu'au bout. C'est infâme. C'est prétentieux. Alors, au-delà du fait que ce soit raciste et sexiste, déjà, c'est insupportable, mais en plus, c'est une écriture d'une prétention. Ce type se regarde écrire, il se complaît dans l'illusion qu'il est un grand écrivain. Non, Houellebecq, c'est écrit avec les pieds. Hein. C'est vraiment, c'est insupportable. C'est un chouineur qui se prend pour un grand intellectuel. Non, il n'y a rien, c'est vide. Moi je veux bien qu'on écrive sur la dépression, il n'y a pas de problème, sur le mal du siècle, gnagnagna, aucun problème. Mais juste là, c'est vraiment ouin ouin, je suis un pauvre homme blanc, cisgenre, riche, et puis le monde n'est pas à mes pieds, ouin ouin. Insupportable. Oh là là, les gens sont méprisables. Non, tu es méprisable, tu es méprisant, c'est pour ça que les gens tu les supportes pas, c'est parce que tu te prends pour le roi. Mais non, mais tu es minable, Houellebecq, tu es minable. Voilà, vraiment, je ne supporte pas. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde sur la booktubosphère qui apprécie Houellebecq. Mais il est souvent encensé par la critique. Bon, en général, les magazines critiques qui apprécient Houellebecq, je me souviens, j'avais lu lire le magazine littéraire, parce que maintenant ça, les deux ont fusionné, j'ai lu en entier, et à la fin je me suis dit, tiens, alors j'ai envie de lire plusieurs livres, tous ceux qu'ils ont détestés. Et il n'y a aucun livre qu'ils ont aimé que j'ai envie de boucler. Voilà. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est le genre de magazine qui encense Houellebecq, et non, Houellebecq, non, bah désolé. C'est naze, hein, vraiment, c'est pas que je peux dire, c'est même pas un je n'aime pas, c'est non, je vous dis, c'est pas bien écrit, il sait rien faire, il sait même pas manier la langue subtilement, c'est naze, c'est plat et chouinant, voilà, c'est plat et ça chouine. Et à peu près dans un genre similaire, un autre auteur, c'est ma maman qui m'a dit, lis ça, ça va te plaire. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. J'en ai essayé deux. J'ai pas tenu. Là, Houellebecq, je me suis forcée. Et cet auteur-là, j'ai pas réussi. J'ai aussi un ami qui m'a dit « Oh, c'est formidable !» Alors, Philippe Roth. Je pense que Philippe Roth, soit on adore, soit on déteste. Je pense que c'est difficile de rester indifférent. Mais vraiment, je trouve ça détestable. Je trouve ça nullissime. C'est comme Houellebecq, c'est des jérémiades à longueur de page. Donc j'en ai eu un, j'ai essayé de lire La Tâche. Et bon, au bout de la 50e fois où il répète qu'il est juif mais qu'il s'en fiche, j'ai envie de lui dire, mon coco, pour quelqu'un qui s'en fiche, je trouve que tu en parles beaucoup. Beaucoup. Et elle m'a dévoilé la fin, elle m'a dit, mais si, mais tu vas voir quand tu découvres qu'à la fin, ça... Ah oui, mais s'il faut que ce soit des 150 pages pour que les 150 pages précédentes, il faut juste attendre la dernière page pour que toutes ces jérémiades prennent enfin un sens, ça sert beaucoup de mal pour rien, je trouve. Dans ce cas, qu'il écrive une nouvelle. Comme ça, on trouve chouineur pendant 10 pages et puis à la fin, on dit « Ah, tiens, il n'a bien eu 150 !»« Oh non, non, non !» Faut pas exagérer non plus. Bon. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit essaye Portnoy et son complexe. C'est pire. Là, j'ai tenu 10 balles. J'en ai lu 50 quand même. Ça faisait un tiers du roman à peu près. Hein. Je résume les 50 pages de Portnoy et son complexe que j'ai lu. J'adore me branler, mais ma mère est chiante. Voilà, en fait, c'est une phrase sur deux, j'adore me branler, et une phrase sur deux, ma mère est chiante. Vraiment, je ne caricature pas.
Donc pendant, parfois, donc c'est pas une, bon, c'est pas tout, c'est une phrase sur deux, disons que pendant une page entière, il va expliquer à quel point il adore la masturbation. Et puis après, l'autre page, il va dire, oh là là, mais ma mère est vraiment casse-pieds. Je me suis arrêtée au moment où il fusionnait les deux, à savoir où vraiment pendant 10 pages d'affilée, il explique à quel point à un moment donné, sa mère était très 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 chiante avec lui, mais que du coup, il ne voulait plus les supporter et qu'il voulait juste que sa mère arrête de lui parler pour qu'il puisse aller se branler. Non, non, vraiment, c'est insupportable. Vraiment, vraiment. Non, 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 je sais pas, c'est pas que je sois prude, je peux tout à fait lire des livres qui parlent de sexualité, qui parlent de masturbation, je peux, mais vraiment, je ne vois pas d'intérêt pendant 50 pages, et j'ai pas lu la suite, parce que j'en pouvais plus, mais de vraiment d'expliquer, parce que c'est très répétitif quand même, de oh là là, j'adore me branler. Oui, bah c'est bien, on est content, contente de le savoir. Mais maintenant, ce serait bien de passer à autre chose ou juste de développer un petit peu, je sais pas, je sais pas, autre chose. Voilà, un petit peu mieux. Voilà, voilà. Résumé de Portnoy et son complexe. J'adore me branler, mais ma mère est chiante. Vraiment, il n'y a rien d'autre, hein, et je crois qu'il n'y a rien d'autre dedans. En tout cas, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a d'autre, parce que s'il faut se fader 150 pages de ça pour que à la fin il faille découvrir que en fait il y avait un truc très subtil, oh non, ça va, non, ça va. Bon, passons. Il reste 3 questions. Passons à la question suivante. Une trame que vous êtes fatigué de voir. Bon, revenons sur la question des romances. La relation toxique, on sent. Je supporte plus. Elle est amoureuse de lui, enfin non pas forcément, mais en tout cas lui il l'aime, et du coup il fait des tas de trucs vraiment dégueulasses, vraiment limites, genre oh tiens, si je l'observais pendant son sommeil alors qu'elle le sait pas, tu vois, c'est pas ils sont ensemble et puis alors qu'elle dort, il dort dans le lit à côté d'elle, il la regarde dormir, ça c'est bon, c'est mignon, mais c'est je m'introduis dans sa chambre la nuit et je la regarde dormir. Ou les relations entre quelqu'un de beaucoup plus âgé et une femme très jeune, surtout si la femme très jeune est mineure, surtout s'il y a un rapport vraiment un rapport hiérarchique, un rapport de subordination de la femme vis-à-vis de l'homme. Vraiment, non, arrêtez, je sais pas, et écrivez des romances où. Alors, soit vous écrivez vraiment une relation toxique en insistant sur le côté toxique, en montrant que ça craint. Soit vous mettez une romance avec des rebondissements, mais pas une romance où oh là là, la relation est toxique, mais je m'épanouis tellement dedans, je suis tellement contente. Non, arrêtez, non, non, non. Et bon, les scènes de viol avec une femme qui finalement trouve ça pas si mal que ça, non, non, vraiment, non. Vraiment, je peux pas. C'est une des raisons qui font que ben, je lis peu de romance. Là, vous allez probablement me détester aussi. Après Antigone. Une série populaire qui ne vous intéresse pas. J'ai essayé. J'ai essayé, j'ai vu le tome 1. Game of Thrones. Non, vraiment. Je trouve ça chiant. Je trouve que les personnages ne sont pas intéressants. J'arrive pas à m'attacher à eux. Et surtout, le niveau littéraire, je trouve ça naze. Mais je trouve que, bah, à la limite, je veux bien quelque chose d'un peu plat. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment des gros problèmes dans la manière de faire parler les personnages. Il y a une espèce de tournure de phrase un peu avec des circonvolutions, et puis juste après, il y a un mot d'argot contemporain. Mais non, mais c'est pas du tout cohérent. À la limite, je veux bien lire un roman historique ou une série historique où les personnages parlent. De manière très contemporaine, mais dans ce cas, tout le temps. Par exemple, j'ai lu Les aventures d'un apprenti gentleman. J'ai oublié le nom de l'autrice, mais j'avais beaucoup aimé. Effectivement, c'est une écriture qui est assez contemporaine, mais c'est pas grave parce que ça ne se veut pas spécialement réaliste, c'est finalement plutôt drôle, c'est un peu voulu. Et il n'y a pas des conneries, palsambleu, au milieu de. Vraiment, je me souviens de phrases dans Game of Thrones
où tu avais des mots qui sonnaient anciens, mais avec un côté de mots qui est vraiment très d'argot très contemporain. Et en fait, si on veut, justement, c'est ça qui me pose problème, c'est si on veut que ça sonne juste, quand on écrit de l'historique, je dis ça en tant que une personne qui a étudié la littérature française, donc qui a lu pas mal de livres de différentes époques, et qui a fait de l'ancien français aussi, même si bon, je suis pas loin d'être une experte, mais pour moi, ça sonnerait beaucoup plus juste d'essayer de soit n'adopter pas ne pas forcément adopter un langage contemporain, mais un langage assez presque intemporel, je dirais, même si aucun langage intemporel. Mais si on fait trop dans le contemporain ou trop dans enfin si on essaye de faire trop dans l'ancien, ça risque de sonner faux, parce que ben, à moins de faire vraiment énormément de recherches et de faire un travail stylistique très très fort, mais pour moi il vaut mieux ne pas trop se prendre la tête et ne pas saupoudrer de mots, de tournures de phrases un peu alambiquées. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la langue qui m'a gênée dans Game of Thrones. Je me dis, ben, vraiment, je n'ai pas envie de lire ça. Et est-ce que j'ai envie de voir la série du coup? Ben non, parce que finalement, j'ai entendu plus de mal que de bien. Et enfin, non, ça m'intéresse pas des masses. Hein. J'ai pas envie de me plonger dedans. Enfin, le livre m'a déçu. Le bouquin m'a déçu. Donc, ce qui fait que j'ai vraiment pas envie de regarder la série. Il y en a d'ailleurs beaucoup d'autres que j'ai envie de voir. Donc, je préfère regarder des séries qui me font envie que de regarder quelque chose qui ne m'intéresse pas, juste pour voir au cas où ça m'intéresserait. Et enfin, dernière question. Donc, souvent, on considère que le livre est meilleur que le film. Ça arrive. C'est pas toujours le cas. Et justement, la dernière question, c'est le cas où. Oh là, la lumière, pardon. Le cas où on préfère l'adaptation à l'œuvre originale, l'adaptation en film à l'œuvre originale qui est en livre. Eh bien, j'ai largement préféré l'adaptation au cinéma par Kubrick d'Orange Mécanique au roman d'Anthony Burgess. Parce que justement, quand j'ai vu le film Orange Mécanique, j'ai été époustouflée, et puis j'ai découvert que c'était adapté d'un roman, et je me suis dit, oh là là, mais alors, si le film est si bon, le livre doit être extraordinaire. Pas tant que ça. Alors peut-être que c'est pas forcément une histoire de langage. Bon, déjà, je trouve que le côté visuel de Fleur Kubrick, plus le choix de la musique, enfin, c'est extraordinaire. C'est ça qui c'est ça donne vraiment énormément de puissance à l'histoire. Et finalement, l'histoire est très puissante, mais sans la musique, sans la mise en scène, sans le jeu des acteurs, bah, ça passerait pas très bien. Et en fait, le matériau de base d'Orange Mécanique n'est pas du tout mauvais. Juste la fin. Mais si on compare la fin du film Orange Mécanique à la fin du roman, et là, ben, peut-être devriez-vous arrêter la vidéo maintenant si vous n'avez pas lu le roman ou pas vu le film, ou ni l'un ni l'autre, et que vous voulez les découvrir par vous-même. Sinon, ben, je vous laisse rester jusqu'au bout. Voilà, petite spoiler alerte. À la fin du film, le personnage d'Alex. Et qui avait subi son traitement curatif pour ne plus aller en prison et pour être dégoûté par la violence, il est récupéré par la politique, et puis en fait on se rend compte que bah, il est guéri et qu'il va pouvoir recommencer à être violent. Et que maintenant sa violence elle sera acceptée socialement parce que promue par un futur élu, ou je ne sais plus si c'est le futur élu ou si c'est élu, mais en tout cas par un homme politique. Donc il y a toute cette récupération politique de la violence, et en fait on se rend compte que bah, finalement la violence n'est pas du tout
n'est pas du tout refusé par les hommes politiques, c'est juste, bah, ça dépend laquelle. Il y a de la violence qui dérange, et de la violence qui dérange moins, mais même si c'est, même si l'acte violent est exactement le même, ça dépend qui le commet. Que selon que vous soyez puissant ou misérable, la justice vous rendra au tout blanc ou au tout noir, et voilà, c'est ça. Et surtout, voilà, il y a ce côté, allez, c'est reparti, et il va redevenir violent. Et puis, bon, il y a le traitement de la police aussi, évidemment, le fait que ses anciens compagnons de mauvais coups deviennent policiers et le tabassent, évidemment que c'est une dénonciation de la police. Enfin, c'est un film extrêmement puissant. Mais dans le roman, à la fin, mais c'est une platitude, mais c'est pitoyable. À la fin du roman, Alex finit par se dire « Bon, je devrais arrêter de parler de cette façon-là avec des mots un peu étranges. » Peut-être, pourquoi pas, mais justement, son argot, c'était quelque chose qui permettait de le distinguer en tant que, qu'être qui allait à l'encontre de la société, en tout cas de la société normée. Donc dans le roman, il y a ça. Et surtout, il croise un de ses anciens camarades qui, bon, s'est marié, va avoir un enfant. Déjà, c'est partir du principe. Et il se dit, oui, je vais me ranger moi aussi, et puis je vais arrêter les bêtises. Sauf que, enfin, déjà, depuis quand on se marie et qu'on a des enfants, forcément, on devient quelqu'un de bien. C'est pas écrit dans le bouquin que, en fait, c'est un mari épouvantable et un père atroce. Hein, mais... Et c'est pas sous-entendu ou quoi que ce soit. Et puis, mais c'est nul! Mais c'est nul! Enfin, c'est... Le personnage, il a fait les pires horreurs dans sa vie, et puis, oh bon, bon, je vais arrêter. Mais non! Ah non, non, non! Mais non! On en fait un personnage moral, mais il est totalement immoral. C'est ça qui est intéressant. Je m'en fiche de sa rédemption. Je ne veux pas qu'il ait de rédemption. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que... Et puis c'est mal amené, parce que c'est d'un coup, comme ça, soudain, ah tiens, bah, je vais arrêter, j'ai compris. La fin de l'ambiance, c'est pas bien. Mais non, ben non, ça, je trouve que ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce qu'a fait l'auteur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai largement préféré le film au roman, et parce que ne serait-ce que d'un point de vue scénaristique, ben, le film est nettement mieux, et je trouve que c'est fréquent avec Kubrick, que Kubrick améliore. Voilà. Ben, j'avais aussi préféré l'adaptation de Barry Lyndon au roman Barry Lyndon, même si le choc était moins violent que pour Orange Mécanique, mais... Du coup, si j'ai un conseil à vous donner, regardez le film, sauf si vous êtes vraiment sensible à la violence. Regardez, ou si vous avez moins de 16 ans, regardez pas. Attendez. Regardez le film, mais lisez pas ce bouquin. Il n'est pas terrible. Hein. Oui, lisez-le si vous avez envie de découvrir. Mais sinon, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à lire que le roman Orange Mécanique. En tout cas, ne le lisez pas en vous attendant à ce soit aussi merveilleux que le film, parce que risquer d'être dessus. Voilà, c'était ma vidéo déjà un peu longue quand même, sur les Unpopular Opinion Book Tag. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire quels sont ces bouquins, ces œuvres qui semblent être appréciées et que vous n'aimez pas. Enfin, je vous mettrai la question en barre d'infos. Je vous laisserai y répondre aussi en commentaire. Vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, me mettre un pouce bleu. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous abonner à ma chaîne si ce que je produis vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!